Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Le quintet de dimanche 13 août sera à Deauville, encore un quintet de plat handicap de 1900 mètres. PCF, seulement les 3 ans. Attention, référence plus 19, ce quintet se déroulera sur la troisième course de Sérignon. Elles seront 16 au départ de ce quintet avec déjà un cheval qui sera non partant si c'est le cas du numéro 10 déjà déclaré non partant. Voici les 6 grands favoris dans les poules. Le 1, l'Adjadi, 13 contre 1. Le 3, le maître, 8 contre 1. Le 4, Maxime Guillon, 10 contre 1. Le 6, Gracius, 12 contre 1. Le 8, Stéphane Pasqui, 7 contre 1. Et le 12, Demero, avec 4 contre 1 à la côte. La ligne d'arrivée à 300 mètres. Il faut être vite en action pour terminer ce parcours. Il y a un école d'entraîneur, c'est le cas du numéro 8, 11. Il y a deux concurrents qui ont leur premier handicap, c'est le cas du numéro 6 et 7. La sélection de deux chevaux, 3, 8, 8, le 12. Les belles chances, on a le 4, le 1, le 6, le 7 et le 2. Les gros tocas qui peuvent pimenter les rapports, le 11, le 13, le 14 et le 9. Aussi, on a des belles outsiders comme le 2, le 15 et le 5. Les bases de ce quintet, première base le 12, deuxième base le 8, possible pour le 3. Les as sont donnés 3, 5, 6, les courriers qu'on a parlé, 8, 11, entraîneur enfant 3, 12, jockey enfant 3, 7. Le classement, voici les favoris d'abord. 12, 8, 3, 4, 6, as, outsider 7, 2, 15, tocage 5, 11, 13, et les non-cités le 14, le 9 et le 16. La base de 3 chevaux, 12, 8, 4, confidentiel, 3, 2, 5, 7, 8, 9, A, 6, pourquoi pas le 11. La récipe, classement 3, 8, 12, 4, 1, A, 6, 7, 2, 15, 5, 11, 13, 14, 16 et 9. La sélection de 2 chevaux, 12, 3, les meilleures chances, le 1, 6 fois, le 13, 2 fois. Alors l'analyse a donné 1, 12, 3, 16, 8, 11, 13, 6, 15 et 4. Et qui dit 15, 3, 6, 12, A, 7, 8, 4. La gazette des courses. 12, 8, 2, 3, 7, 6, 14, A. Pronostic de Paris-Tur, par Florent Bess. 12, 8, 4, 3, A, 7, 11, 15. Chance régulière. Le 2, le 6, le 9, 14, 16, 13, 5. La course est très ouverte. La dernière minute sera le 3. Le coup de folie sera peut-être numéro 7. Les pros d'entraîneurs de handicap, ils ont donné pour vous. 12, 8, 4, 5 fois 3, 7. 4 fois 11, 15, 2, 3 fois 6. Le 6, 2 fois. Et le 9, une seule fois. Les noms, c'était 14, 16, 13, 5. Le joker assuré de ce quintet sera numéro 7. Alors, le creux sera le 6 et les autres prononcés comme vous voyez et devant vous. Par rapport aux chevaux repérés pour vous, dans les jumelles, on a le numéro 8, le spécial le 1, la découverte sera le 11. Les favoris des médias en ordre 12, 3, 8, As, 4, 2, 6, 7, 5, 15, 9, 13, 11, 14 et 16. La conclusion de Paris Course, les bases 12, 8, 3, Tuyo 1, 2, 7, Outsider 4, 9, en cas de non-partant le 16, et l'Outsider 6, disons, de ce quintet sera numéro 6. Le passé de ce quintet 2022, on va voir les cotes. Deux favoris en tête, le premier et le deuxième, un tocard avec 25, troisième. Un autre favori quatrième, mais un autre favori était cinquième. 2021, un outsider en tête, deuxième favori, le troisième favori, un outsider quatrième,
Bien, favori, il fait cinquième. Je vous souhaite toujours de bons gains et de bons rapports. Je vous retrouve demain à la même heure pour vous donner mes infos sur le quinté de lundi. Bonne soirée et à bientôt.